La chance est peut-être la force la plus mystérieuse et capricieuse de l'univers. Mais qu'est-ce que la chance exactement ? Pourquoi certains gagnent-ils au loto deux fois tandis que d'autres jouent de malchance pour une raison qui nous échappe ? Que se cache-t-il derrière les coïncidences étranges et les incroyables aléas du destin ? Le pur hasard décide-t-il de notre sort ou chaque lancer de dés est-il prédéterminé par la physique ? Les scientifiques tentent de défier les lois de la probabilité pour savoir si la chance existe ou pas. L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de ver. Comment êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes-vous démené ? Ou peut-être avez-vous hérité d'une fortune et vous n'avez jamais eu à travailler un seul jour de votre vie ? Certaines choses dépassent notre contrôle. L'univers a-t-il un plan pour nous ? Ou notre destin est-il le pur produit du hasard ? Crée-t-on sa propre chance ? Ou est-ce elle qui nous fait ? Allez dans un casino et vous verrez que les joueurs se livrent à un certain nombre de rituels superstitieux pour attirer la chance. Chacun a sa manie. Je récite Der Vormia, une prière arménienne. Puis je joue la date de naissance de mon fils. Tous les jetons doivent être retournés sur la même face. Les rituels pour forcer la chance naissent parce que nous croyons pouvoir faire quelque chose pour influencer le hasard. Sally Linkenhogger est maître de conférence en psychologie à l'université de Lancaster. Selon elle, se croire chanceux modifie notre manière de jouer. Elle mène une série d'expériences pour vérifier son hypothèse. On a fait appel à des personnes qui jouent régulièrement au golf. À la moitié d'entre elles, on a dit qu'elles jouaient avec un putter ayant appartenu à un célèbre golfeur. Voici le putter de Ben Curtis, un golfeur professionnel, vainqueur de l'Open britannique en 2003. Je vous laisse taper 10 putts et on verra vos résultats. Les autres golfeurs ont droit à une autre version. Voilà un très bon putter. Tapez une dizaine de putts qu'on voit comment vous vous débrouillez. D'accord ? Comme dans tout groupe de personnes, on s'attend à ce que certaines s'en tirent mieux que d'autres. Mais après des dizaines d'essais, il se dégage un schéma. Dès qu'ils ont commencé à putter, les individus croyant qu'ils jouaient avec le club de Ben Curtis ont réussi en moyenne 1,5 coup de plus sur 10 que le groupe pensant frapper, avec juste un bon club. Le club de golf ne porte pas réellement chance. En revanche, le golfeur, lui, croit ou non qu'il porte chance. Sally pense que ce genre de superstition aide les gens à faire face aux situations de stress. Il y a un juste milieu en termes de quantité de pression nécessaire pour réussir au mieux une tâche. Si la pression est trop faible, c'est que vous vous en fichez, et donc vous ne jouez pas bien. Trop forte, elle vous tétanise. Il faut la dose parfaite. Quand vous vous savez observer, vous vous mettez la pression pour bien jouer. Mais la pression est moins écrasante pour le joueur quand il tient un putter censé porter chance. On pense que lors de leur putt, ils se déchargent un peu de la pression qu'ils ressentent. Le putter va faire un peu le travail pour eux. Tout ne repose pas sur eux. Le fait de relâcher un peu la pression leur permet d'un peu mieux jouer. La chance n'est-elle que dans la tête ? La confiance joue un rôle important dans la réussite de tout ce qu'on entreprend. Il est possible que ce club leur ait donné plus de confiance dans leur jeu. Je n'appellerai pas forcément cela de la chance. Cela consiste en fait à contrôler ses émotions, son stress et la pression, de manière à les rendre gérables quand on doit exécuter une action. Mais d'autres pensent que croire en sa chance possède ses limites. Pour Jay Koller, professeur de droit à l'université Northwestern et spécialiste des statistiques, tout n'est que variation de la moyenne. Un grand sportif a de bons jours et de mauvais jours. Mais il s'équilibre. Par exemple, un basketteur peut être un tireur à 3 points avec un taux de réussite de 33%. S'il est très bon, son taux de réussite peut être de 45%. Mais un jour donné, son taux peut dépasser les 50% ou alors se situer à 35%. Il n'y a là rien d'anormal. Il ne fait que tourner autour de sa moyenne.
Mais quand un joueur semble avoir la main chaude et qu'il réussit une suite spectaculaire de tirs, quelque chose de surnaturel est-il en train de se passer? La main chaude est un phénomène qui se caractérise par une élévation temporaire du niveau de jeu suite à une succession de tirs réussis. Le joueur peut enchaîner 7 tirs à 3 points réussis et alors un observateur ou le joueur lui-même croira qu'il est en veine. Mais se passe-t-il pour autant quelque chose d'extraordinaire? Est-il maintenant un tireur à 3 points avec un taux de réussite à 70, 80 ou 90%? La réponse est non. Jay a étudié les statistiques des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA à la recherche d'une preuve confirmant la théorie de la main chaude. Le nombre de séries observées, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 ou 7 tirs réussis d'affilée, correspondait grosso modo à ce qu'on obtiendrait simplement avec le hasard. Dans l'ensemble, on n'a pas remarqué de preuve de l'existence de la main chaude. Des études statistiques similaires, menées dans d'autres sports, ont abouti aux mêmes conclusions. Si un joueur affiche un taux de réussite moyen de 50% au tir de lancer franc, alors il pense qu'il a une chance sur deux, comme à pile ou face. Pour illustrer certains de nos arguments, on va se livrer à une petite expérience de pile ou face. Reggie va lancer la pièce 100 fois et Austin notera les résultats. Les résultats semblent tout à fait aléatoires, mais voilà que Reggie obtient 7 fois de suite face. Quelles sont les chances que cela arrive ? Obtenir 7 fois face d'affilée peut sembler incroyable, mais rappelez-vous, cette série de 7 faces a lieu dans un contexte plus large, celui de 100 lancers. Plus vous lancez, plus les chances d'obtenir une série augmentent. Si on ne lance la pièce que 10 fois, les chances d'obtenir 7 faces à la suite tournent autour de 2%. Mais quand on la lance 100 fois, la probabilité est autour de 31-32%. Cela semble complètement paradoxal, mais il n'y a pas de chance dans les coups de chance en série. Ce sont des probabilités statistiques. Nous remarquons des schémas qui nous semblent inhabituels. Par exemple, un joueur qui réussit 4 tirs à la suite. Mais nous ne remarquons pas qu'il a raté le 5e, réussi le 6e, loupé le 7e, rentré le 8e et le 9e. Ces suites de probabilités s'observent dans tous les domaines basés sur la performance, du sport à la vente, en passant par les transactions boursières. L'année dernière peut avoir été fructueuse, mais la prochaine peut rater. On voit une succession de coups de chance car on ne prend pas en considération un échantillon assez large. C'est la raison pour laquelle Jay pense qu'il n'y a pas de quoi être trop content de ses réussites ni trop affecté par ses échecs. Même avec un événement probable, la chance peut s'en mêler. Et c'est le contraire qui peut se passer. L'important pour lui, c'est de persévérer. Le facteur qu'on peut contrôler, c'est le nombre de tentatives. Combien de fois on essaie de marquer? Combien de fois on invite cette fille à sortir? Il faut être prêt à échouer pour pouvoir réussir. Mais parfois, on a beau essayer, et l'univers semble en avoir décidé autrement. Comment expliquer l'inexplicable, les coïncidences inouïes et les incroyables coups de veine? Existe-t-il une force cachée qui guide nos vies? La mythologie grecque mentionne les trois moires, ou trois destinées. La première déesse file le fil de la vie, la deuxième le déroule, et la troisième le coupe. C'est une manière comme une autre d'expliquer les coups du sort et les étranges coïncidences qui gouvernent notre vie. Nous devons chercher une signification, ou sinon nous contenter de l'idée que, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Un jour d'été, en 2001, Laura Buxton, une fillette âgée de 10 ans, inscrit son nom et son adresse sur un ballon et le lâche dans son jardin. Il traverse l'Angleterre avant d'atterrir plus de 220 km plus loin. Un agriculteur le trouve et est surpris de lire dessus le nom de sa voisine, une autre fille qui s'appelle elle aussi Laura Buxton. Heureuse coïncidence, ou était-ce écrit? Le professeur Tom Griffiths est directeur du laboratoire d'informatique et sciences cognitives de l'Université de Californie à Berkeley. Pour lui, l'histoire de Sarah Buxton illustre les forces et faiblesses naturelles de la raison humaine. Si vous demandez à quelqu'un quelle chance il y a que telle chose se produise, c'est une question à laquelle il aura du mal à répondre. Les gens ont plus de facilité à résoudre des problèmes à partir d'informations dont ils disposent. Ils doivent se baser sur des données existantes. Les hommes voient partout des liens significatifs entre les choses, mais ce sont eux qui les chargent de sens.
Étant donné que nous sommes plus de 7 milliards sur Terre, il est inévitable que tous les jours, beaucoup de personnes fassent l'expérience de coïncidences bizarres et troublantes. Avec un échantillon d'individus assez conséquent, presque toutes les coïncidences sont possibles. On peut définir une coïncidence comme une chose ayant une chance sur 1 million d'arriver. Au rythme d'un événement toutes les secondes, sachant qu'on est éveillé environ 8 heures par jour, cela représente une coïncidence possible par mois. Selon cette définition, le fait que le ballon de Laura Buxton soit parvenu à une autre Laura Buxton en Grande-Bretagne est juste une coïncidence. Aucune magie là-dedans. Notre cerveau recherche des schémas et des coïncidences pour formuler des théories quant au fonctionnement du monde. Parfois, nous tirons les mauvaises conclusions, mais d'autres fois, voir des schémas et des coïncidences nous ouvre à des modes de pensée complètement nouveaux. S'évertuer à voir des schémas nous égare parfois. Par exemple, quand on essaie d'expliquer pourquoi un ballon lâché par un enfant à tel endroit se retrouve à l'autre bout du pays, récupéré par un enfant qui porte le même nom. Mais les coïncidences qui nous impressionnent, ce sont souvent celles relatives à des événements qui non seulement sont improbables, mais qui en plus suggèrent l'existence d'une force de synchronicité qui produit ces faits. Le monde est rempli d'inconnus et d'incertitudes. Notre cerveau est conçu de telle sorte qu'il essaie d'y trouver du sens. Certaines choses s'expliquent, d'autres pas. Mais de tous les mystères auxquels nous sommes confrontés, il y en a un qui pèse au-dessus de tout. Quand notre chance s'épuisera-t-elle? Si nous choisissons de croire en l'existence de la chance, nous devons aussi accepter son revers obscur. Chacun de nous peut être à deux doigts de mourir. La plupart d'entre nous veulent retarder ce moment le plus possible, en mangeant mieux, en faisant du sport et en évitant les risques. Mais cela fait-il une différence? Où sommes-nous tous à la merci de la malchance? David Spiegelhalter est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge. C'est un gourou des statistiques ou un prince des probabilités, si vous préférez. Les probabilités sont un sujet vraiment délicat. Les gens trouvent ça compliqué et paradoxal, et en effet ça l'est. Mais cela vaut vraiment la peine d'essayer de calculer les chances que tel ou tel événement se produise dans le futur. David trouve que la société moderne réagit de manière excessive à la malchance. Des événements sortant de l'ordinaire sont très médiatisés, ce qui peut pousser les gens à croire que faire du vélo va vous tuer. Le problème, c'est que quand on lit les journaux ou qu'on allume la télé, on est au courant de tous les drames. Mais bien entendu, on ne parle pas de toutes les fois où un accident ne s'est pas produit, de toutes les personnes à qui il n'est rien arrivé, parce que ce serait rasoir. 1 million d'enfants sont allés à l'école et personne n'a été blessé. Ça ne peut pas faire la une du journal. Les morts anormales font la une des journaux, car elles montrent à quel point notre destin est imprévisible. Cependant, en étudiant l'espérance de vie moyenne, David peut estimer assez correctement l'âge de notre mort. Quand je suis né, au début des années 50, je pouvais m'attendre à vivre à peu près 70 ans. Mais maintenant, avec l'amélioration de la sécurité, les progrès médicaux, mon espérance de vie est d'environ 82 ans. Et en vieillissant, votre espérance de vie augmente de 3 mois chaque année. C'est incroyable. Votre espérance de vie augmente de 3 mois chaque année. Il en est ainsi depuis des décennies. Évidemment, si j'atteins ou pas les 82 ans, va dépendre de mon hygiène de vie. Si je fume, il y a de fortes chances que je ne vive pas aussi longtemps. 2 cigarettes vous coûtent une demi-heure de vie. Un fumeur en fume en moyenne 20 par jour. Cela représente donc 5 heures perdues chaque jour, soit 1825 heures par année. Bien sûr, certaines activités peuvent rallonger votre vie. Courir régulièrement pendant 30 minutes vous fera vivre une demi-heure de plus. Mais vous aurez passé cette demi-heure à courir. Votre mode de vie affecte votre longévité, mais il faut garder à l'esprit que beaucoup de statistiques sont tirées hors de leur contexte. Manger un sandwich au bacon tous les jours augmenterait les risques de cancer du côlon de 20%. Mais environ 5 personnes sur 100 souffriront de toute façon d'un cancer du côlon à un moment de leur vie. En gros, si ces 100 personnes mangeaient du bacon tous les jours, ce chiffre passerait de 5 à 6. Ça ne fait qu'une personne en plus sur 100. C'est pas si terrible que ça. Donc je crois que je vais me permettre un sandwich au bacon à titre occasionnel. Une bonne hygiène de vie augmente vos chances de survie. Mais rien ne garantit que vous n'allez pas mourir demain. Chaque année qui passe, le risque pour David de mourir s'accentue. Donc, comment doit-il mener sa vie, sachant qu'un hasard peut brutalement y mettre fin? Doit-il vivre au jour le jour ou se protéger de tous les dangers possibles?
David appréhende ce problème à l'aide d'une unité de mesure appelée micromort. Littéralement, petite unité de mort. Un micromort équivaut à une chance sur 1 million de mourir. Au cours de ma vie, la possibilité que je meure à cause d'un astéroïde est d'environ 1 micromort. Mais c'est l'équivalent du risque quotidien que j'ai de mourir d'une autre cause, comme tomber d'une échelle, ou me faire écraser par une voiture. David a estimé à 0,5 micromort les chances de mourir en faisant de l'équitation. Un vol en deltaplane, c'est 8 micromorts. L'alpinisme, à plus de 7000 mètres d'altitude, c'est 43 000 micromorts. Alors, à quel moment le jeu en vaut-il la chandelle ? Cela peut dépendre de votre âge. Le risque qu'un adulte moyen de 18 ans meure dans les 12 prochains mois est de 500 micromorts. Mais les chances de mourir de David sont 14 fois plus élevées. Par conséquent, il pourrait prendre plus de risques. Que vous osiez prendre de gros risques ou que vous calculiez prudemment le moindre de vos pas, vous restez toujours à la merci de la malchance. Rien que conduire vous expose annuellement à un risque de 40 micromorts. On ne peut prévoir ce qui va arriver et dans un sens, on est à la merci de la chance, de l'inconnu. On ne peut pas y échapper, mais on peut essayer de vivre avec. En réalité, cela nous plaît. On ne tient pas à connaître le futur dans ses moindres détails. Ce serait affreux. La chance. Elle joue un rôle crucial au cours de notre vie, mais elle peut intervenir plus profondément qu'on ne le soupçonne. Nous sommes peut-être littéralement faits de chance. Peut-être la chance est-elle inscrite dans notre ADN. Toute créature vivante est constituée de cellules obéissant à des programmes génétiques. Ces programmes disent aux cellules comment fabriquer des choses telles que des arbres, des bras, des jambes. C'est le miracle de la vie. À partir de minuscules fragments d'ADN émergent l'élégance, l'ordre et la beauté du monde naturel. Mais à l'intérieur de toutes les créatures vivantes, il y a un élément de chaos, un coup de chance qui rend la vie elle-même possible. Michael Hinowitz est professeur de biologie, de bio-ingénierie et de physique appliquée à l'Institut de technologie de Californie. Notre corps est composé de milliers de milliards de cellules vivantes. En règle générale, on les voit comme de petites machines qui sentent ce qui se passe autour d'elles et réagissent en conséquence. Mais si les cellules ne fonctionnaient pas comme cela, et si elles ne ressemblaient pas à des mécanismes opérant toujours de façon prévisible, et si en fait elles lançaient les dés pour déterminer leur réaction face à une situation donnée ? Les cellules contiennent des gènes, et les gènes régulent la production de protéines. Les protéines sont les éléments qui permettent aux cellules de fonctionner et de se comporter de différentes manières. Ce n'est que depuis peu que l'on est capable de voir le fonctionnement de ce processus. Pour cela, on peut remercier une méduse. Cette méduse particulière possède des protéines fluorescentes, des gènes qui émettent de la lumière. Michael et son équipe isolent ces gènes fluorescents pour les réintroduire dans d'autres cellules in vitro. Maintenant, le professeur peut regarder les gènes s'activer et se désactiver. Ce microscope se déplace d'un point à l'autre et photographie ces cellules. Il prend une photo de la protéine fluorescente bleue, rouge et verte à chaque fois. On reprend des images encore et encore tout au long du développement et de la division cellulaire jusqu'à la formation de petites microcolonies. À la fin, on les assemble pour réaliser un ultra-accéléré. Sur ces vidéos, on voit à quel moment chacun des gènes s'active et se désactive au cours du temps. Les cellules créées par Michael sont des clones. Elles devraient toutes réagir exactement de la même façon, au même moment. Autrement dit, elles devraient toutes changer de couleur à l'unisson. Or, ce n'est pas le cas. Michael et son équipe mènent des centaines d'expériences pour en découvrir la raison. Ils étudient le fonctionnement interne de différents types de cellules. On a pris une souche de bactéries E. coli avec deux couleurs. Ces deux protéines s'expriment dans des gènes très similaires. La cellule ne fait pas vraiment la différence. Si l'une s'exprime, l'autre devrait s'exprimer aussi. Voici une photo sur laquelle vous pouvez voir en quelle quantité s'est exprimée l'une des deux protéines. Et une image avec l'autre protéine. Ce qui est très frappant, c'est qu'en passant d'une image à l'autre, on peut voir que certaines cellules fabriquent beaucoup plus d'une protéine que de l'autre. Quand on combine les protéines rouges et vertes, voici ce qu'on obtient. De l'aléatoire. Même si les gènes rouges et les gènes verts sont contrôlés de manière exactement identique, ils s'expriment à des moments différents et de façon aléatoire. Michael a découvert que le fonctionnement interne des cellules n'était pas ordonné et précis comme celui d'une machine. En réalité, il est question de chance.
Quand une cellule exprime un gène, la production de protéines ne se fait pas à un rythme régulier, mais par décharge. Vous avez des tonnes de protéines produites d'un coup, puis plus rien. Silence pendant une longue période. Ces décharges sont aléatoires, imprévisibles. La cellule elle-même ne contrôle pas le moment où les protéines sont produites. Ce désordre au sein des cellules s'observe chez toutes sortes de créatures. Il semble faire partie intégrante du fonctionnement de l'ADN. Au fond, la couleur de vos yeux ou le fait d'être atteint de telles maladies mortelles dépendent peut-être de l'hérédité et du hasard. Selon Michael, le caractère imprévisible des cellules existe pour une bonne et simple raison. La survie. Pour les cellules, c'est une question de vie ou de mort. Si elles expriment la mauvaise combinaison de gènes, elles vont mourir. Il est important pour elles de survivre, au moins en tant que population. Leur survie peut être assurée si toutes les cellules ne se comportent pas de la même manière, dans l'espoir qu'au moins une partie de leur population agira comme il faut au bon moment. Une stratégie dans laquelle toutes les cellules accomplissent la même chose se révèle extrêmement risquée. C'est un peu comme miser tout votre argent sur un seul cheval. Le gain pourrait être énorme, mais vous pourriez aussi tout perdre. C'est beaucoup plus judicieux de répartir le risque en adoptant plusieurs stratégies. Il semble que la vie ne suit pas juste les instructions logiques de son logiciel génétique. Le hasard fait partie du programme de la nature. Le hasard et la chance non seulement existent, mais ils sont indispensables à la vie. La chance fait partie de notre biologie, mais cela va plus loin que cela. Les molécules génétiques sont constituées d'atomes et les particules subatomiques subissent d'innombrables interactions chaque nanoseconde. Le vrai visage de la chance se cache peut-être tout au cœur du mystérieux monde quantique. Le physicien Christopher Fuchs est l'un des principaux initiateurs de la théorie du bayésianisme quantique, abrégé cubisme. Pour lui et les autres adeptes de cette théorie, la mécanique quantique expose le système fondamental du hasard qui est à la base de l'univers. Sans la théorie quantique, on n'aurait pas de transistors, de lasers, d'appareils photo à capteurs CCD dans nos téléphones portables. C'est une merveilleuse théorie à laquelle on doit tous les objets de notre société moderne. Et toute cette théorie repose sur le fondement que toutes les choses sur lesquelles elles peuvent faire des prévisions comportent toujours un élément de hasard. Depuis des décennies, les physiciens traitent cet élément de hasard en utilisant l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger est une équation qui vous indique comment mettre à jour vos probabilités au cours du temps. L'équation de Schrödinger est un manuel qui vous aide à modifier les probabilités d'observer tel ou tel phénomène. L'équation de Schrödinger vous donne l'évolution probable au cours du temps d'un système quantique, par exemple un groupe de particules. Mais elle ne peut jamais vous annoncer quelque chose avec une certitude de 100%. Du point de vue du bayésianisme quantique, l'état quantique est en réalité ni plus ni moins qu'un ensemble de probabilités de toutes les choses qu'on pourrait observer dans un laboratoire. Les états quantiques sont des expressions des risques que vous devriez prendre quand vous traversez la rue ou que vous subissez une opération, par exemple. Voici le cœur du débat quantique. La physique quantique est-elle, oui ou non, une description exhaustive de l'univers ou simplement un outil approximatif utilisé pour décrire le monde car nous ne comprenons pas ce qui s'y passe en profondeur? Pour Christopher Fuchs, nous ne verrons jamais ce qui se cache derrière la mécanique quantique et la chance même, car nous ne pouvons pas sortir de l'univers. Nous faisons partie de l'équation. Nous ne pouvons qu'émettre des suppositions à partir de nos connaissances limitées. Vous utilisez votre expérience et vos connaissances pour assigner une probabilité, et elle peut être différente de la mienne. Une idée clé derrière la théorie de probabilité bayésienne est qu'aucun de nous n'a raison. On fait tous les deux notre prédiction en nous basant sur notre vécu et sur les croyances qui entrent en jeu dans une certaine situation. Par exemple, Christopher est mathématicien. Il en sait un rayon sur les probabilités. Mais contrairement aux autres joueurs ici, il ne connaît presque rien au blackjack et ne sait pas distinguer un bon pari d'un mauvais. Leur manière de jouer à tous est affectée par les connaissances et la perspective propre à chacun. Il n'y a pas de vision absolue et universelle du jeu. Christopher pense qu'il en est de même pour la mécanique quantique. La mécanique quantique nous a fourni les outils pour diviser l'atome et alimenter la révolution informatique. Mais elle est essentiellement un calcul de chance. C'est une question de hasard. Un état quantique est une déclaration d'incertitude. Un point, c'est tout. L'incertitude peut naître car vous ne savez pas tout ce que vous auriez dû savoir, ou parce que le monde lui-même n'a pas décidé de ce qu'il allait faire jusqu'au moment où il le fait. D'où l'incertitude des états quantiques. Le monde lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Comment moi le saurais-je? Je prédis du mieux que je peux. Et pour Christopher, c'est une bonne chose.
Cela signifie que notre destin est incertain. Même à une échelle quantique, la chance joue un rôle. Mais parce que nous faisons partie de l'équation, nos choix font une différence. La leçon à tirer de la mécanique quantique, c'est que le monde n'est pas juste un bloc de glace figé. C'est un monde de hasard et d'indéterminisme. Il existe une certaine marge de manœuvre, et nos agissements font une différence. Le monde aurait été tout autre si j'avais agi autrement. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le monde subatomique est un monde d'incertitude. Les objets quantiques tels que les électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps, jusqu'à ce qu'on les mesure. Notre univers entier est construit à partir de particules quantiques. Alors la réalité dépend-elle de quelque chose d'aussi inconstant et qui change dès qu'on l'observe? Que se passerait-il si vous saviez d'avance sur quelle face va tomber une pièce à chaque lancée? Cela enlèverait l'aspect hasard. Vous seriez certain du résultat à tous les coups. Mais selon Andreas Albrecht, le président du département de physique de l'Université de Californie à Davis, la nature l'interdit. Il est l'un des fondateurs de la théorie de l'inflation qui explique les origines de l'univers. Mais Andreas a beau voir grand, pour lui, tous les problèmes peuvent se réduire à une minuscule particule quantique. Du point de vue d'un physicien, la chance existe bel et bien. En effet, la mécanique quantique sous-tend tout ce qui nous entoure. Le hasard fait partie du fonctionnement de chaque atome, de chaque molécule. Vous pouvez penser, si je connais la position exacte, si j'ai assez d'informations, alors il n'y a rien d'aléatoire, et tout peut être déterminé. Mais la théorie quantique affirme que non. Par exemple, ce lancer de pièces. Imaginez que vous connaissiez la position de chaque molécule dans l'air et dans votre corps, et tous les détails physiques susceptibles d'influencer le résultat du lancer. Un lancer de pièces repose sur la coordination de différents éléments. Le mouvement de votre main, celui de votre pouce, vos réflexes et vos neurones. Si vous observez de près ces neurones, vous verrez que vos réflexes dépendent de polypeptides en mouvement dans le liquide intracellulaire. Certains se combinent entre eux, d'autres pas. C'est la physique quantique qui est responsable de cet aspect aléatoire. À l'aide d'un calcul rapide tenant compte de la taille de la pièce, de sa vitesse et des fluctuations au niveau de la libération des neurotransmetteurs, Andreas peut démontrer qu'avec cette séquence d'événements quantiques, on obtient la même probabilité de tomber sur pile ou face qu'avec la méthode de calcul conventionnelle, c'est-à-dire 1 sur 2. En somme, on ignore de quel côté elle va tomber. Avec les molécules, c'est le règne de l'incertitude quantique. On ne s'en débarrassera jamais malgré nos connaissances. C'est pour ça qu'on peut tirer à pile ou face et que la chance existe. L'incertitude quantique fait partie intégrante de tout, de vous, de moi et de tous les poissons dans la mer. Mais pour les physiciens, cela représente un gros problème, un problème de la taille de l'univers. L'incertitude quantique va à l'encontre de notre compréhension de l'univers à grande échelle. La théorie de l'inflation, dont Andreas est l'un des auteurs, se heurte à un mur quantique. La théorie de l'inflation cosmique repose sur l'idée qu'aux origines, l'univers a subi une expansion d'une rapidité phénoménale. D'un autre côté, en émettant des hypothèses très simples sur le fonctionnement de l'inflation, on en arrive à prédire qu'il n'existe pas juste un univers, celui qu'on voit, mais une infinité d'autres. Selon la théorie de l'inflation cosmique, notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres, réparti dans une vaste mer cosmique. Ces univers autonomes cohabitent les uns à côté des autres sans se voir. Pour ce poisson rouge, le bocal est son univers. C'est tout ce qu'il connaît. Nous pensons connaître l'univers tout entier. Nous voyons des étoiles et des galaxies lointaines. Mais les théories modernes du cosmos suggèrent que notre univers visible n'est peut-être que notre bocal et qu'il existe beaucoup d'autres poches d'univers. Peut-être une infinité, là-bas dans le cosmos. Mais comme le nombre d'arrangements des particules dans l'espace et le temps est fini, s'il existe des poches d'univers très lointaines, elles devraient ressembler à la nôtre, avec de légères différences toutefois. Le problème, pour Andreas, c'est que s'il y a des univers infinis, les lois de la probabilité ne collent pas. Les mesures quantiques estiment les probabilités qu'ont les particules de posséder certaines propriétés. L'existence d'univers infinis est incompatible avec la mécanique quantique, où tout résultat possible d'une mesure doit forcément se produire quelque part. On aboutit là à une débâcle mathématique. Si on accepte la théorie des poches d'univers, les probabilités quantiques ne peuvent plus s'appliquer telles qu'on les applique normalement. Alors, entre la théorie des poches d'univers et celle de la mécanique quantique, laquelle est la plus plausible? Pour Andreas, la vérité réside probablement dans la théorie quantique.
Nous ne voyons pas les autres univers, mais nous pouvons observer la chance. Les probabilités quantiques et leur nature microscopique sont à l'origine de la chance, de l'incertitude et du hasard inhérent à notre monde. On peut donc s'attendre à tout. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité qui changera votre façon de voir le monde. Selon cet homme, il existe un nombre incalculable de versions de vous, chacune avec des destins différents. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait votre vie si les choses s'étaient passées un peu différemment? Un ou deux petits hasards du destin auraient pu vous faire suivre un chemin très différent. Et si vous aviez suivi tous ces chemins possibles dans des mondes parallèles? Il existe peut-être beaucoup d'autres versions de vous en train de mener des vies très différentes. Max Tegmark est professeur de cosmologie au MIT. Il croit fortement que la chance ne détermine pas la trajectoire de notre vie. Il avance comme preuve la bizarre faculté des objets quantiques à exister dans plusieurs lieux en même temps. Les particules élémentaires peuvent être à deux endroits en même temps. Or, je suis constitué de particules élémentaires. Donc, moi aussi, je dois être capable d'être à deux endroits en même temps. Les objets quantiques peuvent être dans une variété d'états. Ils ressemblent à des ondes jusqu'à ce qu'on les mesure. Là, les ondes se transforment en particules. Autrement dit, elles sont à plusieurs endroits simultanément, jusqu'à ce qu'elles aient soudain une position définie dans l'espace. Ce comportement étrange est appelé principe de réduction du paquet d'ondes. Selon Max, le paquet d'ondes ne se réduit jamais vraiment. Un électron peut sembler être ici lors de notre mesure, mais chaque autre possibilité a lieu aussi dans une série d'univers parallèles qui sont autant de ramifications d'une autre. À de nombreuses occasions, par exemple quand vous prenez une décision à toute vitesse, votre choix va dépendre uniquement d'une petite particule située dans votre cerveau. Donc, si cette petite particule se trouve à deux endroits en même temps, cela veut dire que ma vie suit de multiples scénarios. S'il n'y a pas de réduction du paquet d'ondes, cela signifie que vous avez d'innombrables clones. Ils existent, les uns sur les autres, dans des univers parallèles, différents des univers juxtaposés imaginés par Andreas Albrecht. Ici, il est question de toutes les versions alternatives possibles de notre propre univers. Par exemple, si vous prenez 100 Max dans 100 univers parallèles, les lois de la probabilité nous disent que certains vivront 100 ans et certains sont déjà morts. Le sort de Max dépend entièrement de la réalité quantique dans laquelle il vit. Mais voici le hic. Il ne saura jamais ce qui arrive aux autres Max. Imaginez que vous me donniez un somnifère et que vous fabriquiez un clone parfait de moi. Vous laissez un Max sur ce lit et un autre dans une chambre identique à l'étage au-dessus. Vous me prévenez et vous me demandez, Max, où vas-tu te réveiller? À ma place, que répondriez-vous? Deux Max se réveilleront. Les deux seront identiques, ils ressentiront les mêmes impressions. Ils auront les mêmes souvenirs à partir de leur réveil. Chacun d'eux se dira, je me suis réveillé dans une seule chambre dont le numéro me paraîtra complètement aléatoire quand j'irai le regarder. Et je n'ai absolument aucun moyen de prédire quel sera ce numéro. Je ne peux jamais voir les autres clones de Max. Tout ce que je remarque, c'est ce hasard apparent. Selon Max, c'est notre ignorance des autres réalités qui crée cette illusion que nous appelons chance. Le hasard et la chance n'existent pas. Certaines choses ont l'air d'être aléatoires, mais ce n'est qu'une impression subjective ressentie chaque fois qu'on est cloné, ce qui arrive en permanence. Il y a en réalité deux versions de moi. L'une d'entre elles vit un des deux dénouements. Donc, quand vous gagnez à la roulette, il y a en fait un clone de vous qui a perdu. Il n'y a pas de chance, rien que du clonage. Cette idée peut sembler tirée par les cheveux et impossible à confirmer. Mais Max pense que ses chances ne sont pas nulles. Il a un trillionième de chance de prouver la véracité de sa théorie, à condition de ne jamais mourir. Imaginons que Max endure une série de catastrophes, des événements qui ont 50% de chance de le tuer. Dans un monde parallèle, il meurt. Dans un autre, il survit. S'il n'y a jamais de réduction du paquet d'ondes, alors il y aura deux versions de moi. Une en vie et une écrabouillée. Mais un seul Max a une expérience consciente. Tandis que les catastrophes s'enchaînent,
les chances de survie d'une version de Max chutent à 25%, puis à 12,5%, puis à 6,25%, et ainsi de suite. Dans de plus en plus de mondes parallèles, Max est mort. Mais dans l'un, il survit. J'aurais l'impression subjective de survivre encore et toujours, ce que je trouverais vraiment très, très bizarre. Si d'une façon ou d'une autre, une version de Max survit à 60 catastrophes mortelles, il n'y a qu'une chance sur un trillion que l'hypothèse de Max soit fausse. Malheureusement, une seule version de lui connaîtra la vérité. Les autres versions, au nombre d'un trillion, moins un, auront péri. Donc, la possibilité qu'existe plusieurs Max restera peut-être toujours un sujet de doute. Cette idée que la réalité nous dépasse et que quand vous perdez à la roulette, il y a en fait une autre version de vous qui a gagné, cela peut sembler très bizarre. Mais bon, qui sommes-nous, pauvres humains, pour dire à l'univers comment se comporter? En tant que physicien, mon travail n'est pas d'essayer d'imposer mes préjugés sur la réalité, mais de l'observer attentivement pour tenter de comprendre comment elle fonctionne en vrai. Et elle agit, comme qui dirait, bizarrement. Qu'il y ait un seul univers ou d'innombrables univers parallèles, il est impossible de savoir quel chemin vous emprunterez dans toutes vos éventuelles destinées. Votre conscience, votre ADN et les atomes mêmes qui vous composent sont tous embarqués dans un voyage tumultueux et imprévisible. Et chaque décision est un pari